Hey, aujourd'hui petite vidéo présentation. En fait, on m'a suggéré de faire une petite présentation l'autre jour, de ma chaîne en fait, parce que ça fait très peu de temps que j'ai commencé. Donc j'en ai à peu près 800. Donc c'est ma passion depuis toute petite. Enfin, en fait, quand j'étais petite, j'y jouais, comme beaucoup de filles qui me regardent, j'imagine. Mais moi, c'est pas du tout mon délire parce que j'ai grandi. Mais en fait, je continue toujours la collection. Pas du tout de gêne, pas du tout de honte de le dire. Mais je me disais que ce serait sympa de partager en fait tout ça dans des vidéos, dans des photos, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai un compte Instagram, donc je vous invite à aller voir et checker un petit peu les photos que j'y poste assez régulièrement. Le lien sera en barre d'infos. Vous pouvez m'appeler Yev, donc c'est mon pseudo. En fait je collectionne les pet shops vraiment en termes de collection depuis 1 an et demi. Et je suis partie en fait de 130. Là, j'ai 17 ans pour avouer la chose. J'en ai bientôt 18. Il y a 1 an et demi, j'ai rouvert ce placard et puis je me suis dit, j'arriverai jamais à les vendre en fait. Et mon copain m'a dit, pourquoi est-ce que t'en fais pas la collection? Et à partir de ce jour, il a vraiment regretté parce que là, j'en ai beaucoup, beaucoup. Un jour, je vous ferai une petite présentation de mes rangements et je serai vraiment contente de la faire. Donc pour tout vous dire, en fait au début je pensais vraiment pas parler en vidéo parce que je trouvais ça un peu. Enfin je trouvais ça pas ça pour moi parce que ça faisait peut-être trop enfant ou j'en sais rien, mais finalement je suis tombée sur quelques vidéos vraiment par hasard un jour de Avapi, je pense que vous connaissez. Et je trouvais que ces vidéos étaient vraiment bien. Alors moi, faut savoir que je ferai jamais d'histoire LPS sur ma chaîne parce que comme je vous ai dit, je n'y joue pas, alors je verrai aucun intérêt pour moi de les faire. Par contre, j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'idées en tête de vidéos que je peux vous faire, donc notamment les présentations des LPS. En fait, je vous ai fait déjà des vidéos comme ça où je parlais pas, mais c'était vraiment pour présenter le plus gros, c'est-à-dire vraiment en général. J'ai fait uniquement les chiens et chats, mais je compte faire les autres. Mais un jour, je vous présenterai vraiment plus en détail par type, par forme, ou par modèle comme vous voulez, en parlant. Mais ce sera vraiment des vidéos assez courtes où là vraiment aujourd'hui c'est de la parlotte, mais je pense pas que ce sera comme ça dans les autres vidéos. Donc juste pour vous prévenir, moi je pense pas qu'il y aura de mascotte ou enfin je vois beaucoup, enfin j'ai vu quelques chaînes un peu pour me faire des idées aussi pour m'inspirer au niveau des vidéos. Et j'ai vu quelques chaînes où il y a beaucoup de personnes en fait qui avaient une mascotte. Alors moi c'est pas du tout mon cas parce que j'ai pas de pet shop en gros un préféré, enfin si certainement, mais j'ai pas envie de faire ça, moi je les aime bien tous, alors du coup voilà, dans chaque vidéo il y en aura des différents. Donc pourquoi je me suis mise à faire des vidéos? Déjà j'étais sur un groupe Facebook, enfin j'y suis toujours, de LPS, et donc c'est là où on se partage un peu nos nouveaux, les LPS à vendre, enfin qu'on a en double, les échanges, etc. Et puis je voyais qu'il y avait vraiment. Enfin j'étais pas toute seule à faire ça, et même sur YouTube, alors je me suis dit pourquoi pas moi. Et ma première vidéo, en fait j'ai mis beaucoup de cœur et tout ça, enfin en fait. J'ai fait très peu de montage et enfin j'aime bien, ça me prend pas énormément énormément de temps mais quand même un petit peu. Donc voilà, j'ai tout de suite accroché, je me suis dit pourquoi pas. En fait quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc je me prends pas la tête et puis c'est tout. Voilà, donc dans mes contenus ensuite de vidéos, je compte faire vraiment beaucoup de choses du type des tags. Je veux aussi faire tout ce qui est présentation, mes préférés, les tops, etc. Mes hauls aussi, les ouvertures de colis aussi, j'aimerais beaucoup faire ce genre de choses. Enfin voilà, un peu de tout sauf des histoires. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc à l'heure où je parle, je fais ma présentation un peu tardivement parce que j'ai fait quelques vidéos custom déjà. En fait, c'est mes principales vidéos d'ailleurs parce que je fais pas mal de customisation. Voilà. Donc je la fais un peu tardivement cette présentation parce que c'est vrai que j'y avais pensé, mais au départ je pensais vraiment pas parler dans mes vidéos, puis c'est quelqu'un qui m'a dit. Sinon pour tout vous dire, en fait je suis vraiment en plein dans mes études. Là les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est parce que j'étais en vacances. Mais là je pense que d'ici, enfin cette semaine avant ma rentrée, je vais faire beaucoup de vidéos en avance en fait. Comme ça va me gagner du temps parce que après je vais. En fait là je vais à la fac. Et je pense que j'aurai très très peu de temps. Tout ce que je voulais vous dire, si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos, pareil. Pensez mes vidéos, mais je vais souvent dire hey, je pense. Donc voilà, partir, je voulais vous dire. Autre chose, c'est que
La seule gaminerie, on va dire, que j'ai laissée dans ma tête avec mes LPS, c'est de leur donner un nom. C'est obligatoire pour moi, dès que j'ai un nouveau, il faut absolument que je leur donne des prénoms, des noms. C'est obligatoire, donc je vous présente Légende. C'est un renard, j'adore les renards. Donc voilà, il est super mignon. Donc voilà, il faut juste le savoir, c'est que mes pet shops, ils sont sur une vitrine, enfin sur des étagères spéciales, mais ils ont tous des prénoms.